Expliquer que projet philanthropie ça nous réfléchit pendant très longtemps pour nous analyser situation actuelle là, c'est-à-dire que toute organisation qui a bail service dans communauté hein, dans un moment à vivre un moment qui est difficile. Moment difficile ça c'est parce que eh bien nous toutes dépendons de gouvernement pour ba nous l'argent, nous dépendons de fondations pour ba nous l'argent, nous dépendons de corporations tout pour ba nous l'argent. Et une bagarre qui vient très intéressant c'est que même organisation ça, même corporation, même gouvernement, même fondation ça yo, est toujours à demander nous mais côté support communauté pas nous. Ouais, donc ça sont questions qui étaient toujours intrigantes et journée aujourd'hui hein, et tenant compte de réalité économique là, tenant compte de besoins communautaires haïtiennes là, tenant compte de tout mouvement que toute l'autre communauté a fait pour kembe pour entretenir une l'autre, eh bien nous-mêmes dans centre là avec toute ton équipe collaborateurs, nous jugeons nécessaire pour nous venir avec projet ça et projet philanthropie ça c'est pour ton réponse. Première réponse ça c'est pour montrer que communauté haïtienne là, nous une supporter l'autre et ça démentit en perception qu'on paquet monde gagne comme quoi nous pas ta solidaire vis-à-vis une l'autre. Donc projet ça c'est en réponse à ça. Deuxièmement, projet en tout voulait montrer valeur philanthropique qui la cache chaque haïtien. Et nous gagne pile exemple que peut-être nous pas gagne temps pour nous ta énumérer là Patrick. Mais nous connaît que quel qu'en soit circonstance, quel qu'en soit désastre, quel qu'en soit difficulté que nous vivons non seulement en Haïti, mais bon ici dans la communauté en tout, communauté haïtienne n'a toujours répondre présent. Yo répond avec $, $5, $10, quel qu'en soit ça yo kabaylan, yo répond. Donc campagne philanthropie ça, c'est justement pour rappeler tout le monde que nous gagne toute une tradition de aider l'une l'autre, de solidariser entre l'une l'autre. Si on l'a dans la communauté, ça, on appel qui fait dans la radio, tout le monde répond. Si on a famille qui est en difficulté, tout le monde répond. Donc, nous avons ça dans le cœur, nous avons ça dans la pratique, nous, dans la tradition. Donc, nous, tout simplement, jour en jour, on voulait aller de l'avant. Prends ensemble de sentiments, ça et tradition, ça yo, et puis fait que pour la communauté haïtienne, commencer ou bien continuer, ou bien augmenter solidarité, le support financier que le bail organisation qui bail service à monde qui plus vulnérable dans la communauté haïtienne Floride là. Donc et c'est vrai que campagne fierté ça souvelé c'est comme ça nous reléli et bien il y a 14 collaborateurs qui ont fonctionné avec nous pour réaliser hein. Donc c'est des organisations qui ont fourni toute qualité service dans la communauté hein. HACDC qui règle question CAI, Gang Alternatives qui aide ti moun rete dans chemin droit, Femme Haïtienne dans Miami, nous mêmes centre là, Little Haiti Optimist enfin, 14 et peut-être que pas gain temps nommer toutes hein. Donc l'idée c'est que toute organisation ça yo a fonctionné là dans communauté hein, yo offre service, yo bail service, yo aider communauté hein et des jeunes ti moun, grand moun dans communauté hein justement pour joindre toutes ressources et tout service que yo mérité. Now, what's really important is that, you know, the Haitian American youth also be very involved in this movement, right? Because if in fact these youth are the future of our community, we know that they too need to definitely be involved in what we're doing. They need to understand the reasons behind this campaign and they need to support it as well. Because what we've done is also create opportunities for people to donate from a dollar to whatever amount they want. So we've got this platform through which people can donate via text, right? So I think it's you texting to 509 Pride, you text at 5200 and you text whatever amount of money you'd like. We're going to give you more information and more details about that. But the idea is that we want to take advantage, I guess, of this month, of Haitian Heritage Month, of this month of May, to say to every Haitian American, to every Haitian, à chaque grand Haïtien, on est des têtes nous. Hein? Put your money where your pride is. Donc si c'est vrai que pendant mois de mai, you know, we are all about culture, we are all about our history. Nous fêter, nous danser, nous chanter, nous manger, nous faire toute une série d'activités qui rehausse fierté haïtienne, non? Culture haïtienne, non? Pour nous-mêmes, ça qui est important tout dans rehausser fierté ça, c'est que justement nous montrer aux autres, nous montrer l'autre monde que nous solidaires une autre l'autre, nous supporter une l'autre et organisation qui occupe de communauté panouyo, eh bien nous voulons supporter tout. So that's the rationale behind put your money where your pride is.
Très bien. Pour le moment, meilleur bagaille. Pour plus d'informations, clairement, vous doit toujours aller nous dans le centre là, 573-48-71-305. Mais, enfin, nous n'avons pas fait ce week-end ça. Donc, toute organisation qui a collaboré dans le projet, ça n'a pas ensemble pour nous vraiment faire plus promotion sur la campagne dans le Compafès, pour encourager les gens by donation une compafès et puis pour rappeler monde pour qui stand up fait mouvement ça me sont expliqué toute raison déjà no need to go back to it but the idea is that we'll be asking each and every one of you to donate whatever you can even if it's a dollar we'll take it because it's not the amount that you give it's the thought that counts and what you give serves to demonstrate that you're committed to your community you support your community and all these people who say that we're not supportive of one another, this begins to dispel that myth. Donc? So, donc, rendez-vous. Hold on. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations, moi, dis encore, nous carrelez nous dans le centre là, 305-573-48-71, ça c'est une. Deuxièmement, nous qui doit aller sur site web mouvement ça, mouvement philanthropie ça, www.haitianphilanthropy.org, right? www.haitianphilanthropy.org. Nous sur Facebook et Twitter, Haitian Philanthropy. Nous sur Twitter, excusez-moi, c'est un des têtes nous. Et Facebook et Instagram, c'est Haitian Philanthropy. Donc pendant tout mois, enfin tout reste mois, on a continué voyez message ça, gagner message ça de manière à ce que tout le monde dans la communauté entende, tout le monde dans la communauté en participe, supporte et justement pour nous venir joindre nous dans Compafest et puis en apprendre plus.